la deuxième partie est consacrée aux enfants, avec toutes les classes de formation musicale et d'éveil musical de la Muse, plus d'autres enfants qu'on a pioché à droite à gauche dans l'école pour nous accompagner. Et on va vous raconter une histoire, j'espère que vous aimez les histoires, une histoire de Noël. Et je vous dis pas le titre parce que la conteuse va vous le dire. Vous pouvez applaudir Mégane qui va vous conter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire des vacances du Père Noël. Donc je vais vous raconter l'histoire des vacances du Père Noël. Je regarde autour de moi.
le Père Noël se retrouve sur l'autoroute qui mène à la ville. Les voitures le doublent à toute allure. Il se fait insulter parce qu'il ne va pas assez vite. Dis, papé, remue-toi, on n'est pas en vacances. Arrête ton taco, il n'y a plus d'essence. Regarde, maman, c'est un vieux qui se prend pour le Père Noël. Il arrive dans la ville. Se mettent tous à danser comme des fous.
Père Noël à danser avec eux. Viens, allez! Thank you.
village, tout le monde vient l'applaudir. Des cadeaux et tout le monde est content. Vive le Père Noël! Un jour, il arrive dans un village et personne ne vient l'accueillir. Il cherche partout, toutes les rues sont vides. Sur la place centrale, il y a plein de monde. Personne ne parle. Au milieu de la place, une vieille femme raconte des histoires. C'est Mémé Boulou. Elle raconte l'histoire de Péou Péou. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Péou Péou. Il était dans le ventre de sa maman. Allez, Péou Péou, on rentre dans le ventre de ta maman. Et il disait, je veux sortir, je veux sortir. Mais non, Péou Péou, on ne sort pas par là. Allez, rentre. Maintenant, on va sortir comme il faut. 1, 2, 3, hop. Et Péou Péou est parti se promener. Dans la forêt des cheveux, dans les petites grottes du nez, dans la grande caverne de la bouche, sur le petit chemin des sourcils, sur la montagne du nez, sur les petites collines des yeux, il continue à se promener. Et tout à coup, il s'est arrêté. Une araignée qui arrivait tout doucement. Péou Péou, monte sur mon dos, on va aller se promener. Aïe, aïe, aïe. Péou Péou a un peu peur. Il est monté sur son dos et ils sont partis. Tout d'un coup, ils ont entendu « Ah ! » C'est un oiseau qui est dans le ciel, l'oiseau de la mort. Il tournait autour de Péou Péou en le regardant. Il est allé se poser sur la montagne. Alors, Péou Péou et l'araignée sont vite partis se cacher. L'oiseau ne les trouvait plus. Alors, il s'en alla. Ils étaient super contents d'avoir échappé au méchant oiseau. Puis, ils rentrèrent chez eux. Voilà, mon histoire s'arrête là. Quand le Père Noël a fini d'entendre cette histoire, il va vers Mémé Boulou. Il la prend dans ses bras et lui fait plein de bisous. C'est extraordinaire comment tu racontes les histoires. J'ai une idée. Si on voyageait ensemble, je donnerai des cadeaux et tu raconterais les histoires. Ah oui, c'est une bonne idée, on n'a qu'à partir. Non ? Vous n'êtes pas ? C'est le Père Noël.